Il y a un sondage un récent sondage dont vous voulez nous parler qui nous apprenait que les Québécois se trouvent Trop imposé et euh, vous allez nous nous, nous convaincre ou en tout cas tenter de nous convaincre que tout ce qu'on a appris c'est qu'on paie trop cher pour nos sondages mais pas pour nos impôts. Voilà. Comment en fait, ça donc bien, euh, on dit souvent qu'on peut faire dire ce qu'on veut à des sondages mais oui? euh, ce qu'on mentionne moins souvent c'est qu'on peut aussi faire dire ce qu'on veut à des sondés <laughs> et euh, dépendamment de comment on va présenter les questions et de euh, justement qu'est-ce qu'on va placer comme première question on met souvent le, le, la personne sondée dans un état d'esprit qui est propice à atteindre la conclusion qu'on veut atteindre. Le sondage a été euh, commandé par l'Institut économique de Montréal, qui n'est pas nécessairement un, 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 une institution très progressiste, donc qui est connue pour ses positions de droite économique, euh, donc un think tank justement de libéralisation des marchés, euh, diminution de la taille de l'État, etc. Et euh, donc, je veux euh, revenir sur ce sondage-là juste pour nous donner une idée de comment on en a pu arriver à la conclusion que 67% des Québécois veulent des baisses d'impôts. Mm -hmm. Donc, la première question, c'est... Lors de sa récente mise à jour financière, le ministre des Finances du Québec, Carlos leitau, a annoncé des baisses d'impôts. Selon vous, est-ce une annonce qui est positive ou négative Donc, si je vous dis profiter d'une baisse d'impôts, oui. qu'est-ce qui vous vient en tête spontanément Euh, un 100, 200 dans mes poches, de l'argent dans nos poches. avec la famille, un gros souper, quelque chose de, de positif pour, pour moi. Exactement, exactement. Donc, euh, je vous mets au défi de trouver quelque chose de négatif dans le 200 dollars dans vos poches parce que c'est la première chose qui nous vient en oui. tête. Donc, on aurait eu un résultat radicalement différent si la question avait été, le ministre des Finances du euh, Québec, Carlos Letao, a annoncé des baisses d'impôts financées par les coupures, notamment dans les services d'encadrement aux élèves, dans les programmes de francisation aux immigrants, mmh. à la réfection des infrastructures et dans les soins aux personnes âgées. Selon vous, est-ce que cette, <laughs> cette annonce est positive ou négative? Ça change toute Là, on, la perception. On, oui. on se sent un peu plus coupable de vous dire oui. Hein? Oui, parce mmh. qu'en fait, il y, y a ce qu'on appelle un effet de cadrage. Donc, mmh. si je vous présente, par exemple, un médicament et que je vous dis, il y a 90 des gens qui survivent aux trois... Premiers mois d'un traitement euh, pour un cancer du, euh, du, euh, des poumons, par exemple. Mm -hmm. Ou si je vous dis, il y a 10 des patients qui meurent dans les trois premiers mois de ce traitement pour le cancer du poumon, si je vous présente la, la, la statistique positive, 90 oui. de survie, et que je vous demande de donner vos impressions sur ce médicament-là, oui. ça va être radicalement différent que si je vous dis, il y a 10 des gens qui meurent. Donc, Évidemment, tout le monde est capable de compter euh, 90 plus 10, ça fait 100. Oui, mais on sait tous que frappante. les deux vont ensemble, oui. mais on, on réagit de façon très différente oui. à ces deux nouvelles-là. Si je vous dis les, les sénateurs vont gagner ce soir, ou si je vous dis les sénateurs vont perdre. Euh, si je vous dis, par exemple, euh, ils jouent contre Philadelphie ce soir. Euh, si je vous dis euh, Philadelphie va gagner ce soir mm -hmm. et les sénateurs vont perdre ce soir, c'est la même nouvelle, mais on réagit de façon radicalement différente à ces deux nouvelles-là. Donc, on met déjà un peu notre sondé dans un état d'esprit particulier, c'est-à-dire ce qu'il a en tête. Donc, même si, parce qu'on n'a pas le temps de réfléchir, pas, on ne répond pas euh, après avoir tout considéré, on nous dit est-ce que c'est positif? Oui, c'est positif. On continue avec une deuxième euh, question. De façon générale, pensez-vous que les baisses d'impôts sont bonnes pour l'économie? Je ne sais comme plus quoi vous répondre. Ben oui, ben, si envie tout le monde a 200$ dollars, oui, puis qu'on on le réinvestir puis on, puis on fait, fait des emplois, ça. puis là on fait tout, on fait rouler l'économie. Mais là, là avec vous, il y a un truc là. Y a ce... Ben en fait, il y, y a plusieurs trucs parce que le, la, la vraie question c'est est-ce euh, que on est plus riche avant collectivement, avant ou après les baisses d'impôts. Donc il y a une théorie qui s'appelle la théorie du ruissellement économique, qui oui. prétend que chaque fois qu'on met de l'argent dans les poches des plus, euh, des mieux nantis, mieux ça entiers. va finir par justement faire rouler l'économie. On oublie deux choses en fait, c'est que l'argent qu'on met dans les poches du gouvernement ou dans notre espèce de fonds collectif, c'est pas comme si on le brûlait une fois qu'on l'a mis là. Il va, lui aussi, être réinvesti pour embaucher des infirmières, des enseignantes, des orthopédagogues, des, des gens de la voirie. Donc, il y a du réinvestissement qui se fait. Il y a aussi du réinvestissement qui se fait sur des biens qui vont nous éviter de euh, s'endetter. Donc, s'il y a plus d'orthopédagogues, ben si vous avez un enfant qui a un problème de lecture, mm -hmm. bien, vous n'avez pas à vous-même payer pour les services d'orthopédagogue. Vous n'avez pas à payer pour les euh, réparations de votre les fois il faut attendre poules. pour les services d'un orthopédagogue, mais on n'a pas à, à, à le payer. Exactement, c'est mm -hmm. ça. Et, et, et donc, on, on, on prend pour acquis, en fait, que le 200$ qu'on a dans nos, dans nos poches va être réinvesti et oui. créer de la richesse, mais on oublie que c'est aussi de la richesse qui va être créée par les gouvernements. On oublie aussi que euh, souvent, en fait, ce 200 $-là va nous servir à se payer quelque chose qui n'est pas vraiment euh, euh, par particulièrement utile ou fondamentalement euh, nécessaire. Donc, mm. euh, une chose qu'on peut se rappeler, en fait, c'est que euh, on paye pas trop d'impôts c'est qu'on paye surtout trop cher pour nos télévisions. Donc, il euh, y, y a une espèce de, de, de surenchère au niveau de ce genre de bien-là parce qu'on achète des biens qui sont de plus en plus dispendieux, de plus en plus euh, de qualité, etc. Et c'est généralement ce qu'on fait avec des baisses d'impôts, c'est-à-dire, comme vous l'avez dit, on va se payer un resto un peu plus euh, mmh. dispendieux, on va se payer une télé un peu plus dispendieuse. Et donc, finalement, en, au bout du compte, on n'est pas nécessairement plus euh, heureux ou, ou, ou mieux euh, dans une meilleure position euh, d'un point de vue économique. Et là, en fait, c'est à ce moment-là que euh, le sondage nous propose la fameuse troisième question, qui va être la seule question qu'on va retrouver sur toutes les tribunes euh, à la une de euh, différents journaux. Est-ce que vous trouvez que vous payez A. trop d'impôts, B. juste assez d'impôts, C. pas assez d'impôts ou D. je ne sais pas? Donc, on a 67 des gens qui disent payer trop d'impôts et il y a plus de gens qui disent je ne sais pas que de gens qui disent qu'on ne paie pas assez d'impôts. Donc, il faut être conscient, en fait, de cet effet-là, de ce qu'on appelle du « priming euh, » psychologique, euh, qui euh, opère sans qu'on s'en rende compte. Donc, on a réalisé récemment que si on organise un bureau de vote dans une école primaire, oui. il y a plus de gens qui votent pour des politiques progressistes ou des politiques, justement, pour des réinvestissements en éducation. Euh, même chose si on le fait dans des lieux liés à la santé que si on le fait, par exemple, dans des lieux un peu euh, dans un centre plus commercial neutre. ou peu importe, où là, on va avoir… Parce que ce qu'on a en tête, c'est justement les besoins euh, de euh, ce, ce, ce type de service-là. Donc, à partir du moment où ce qu'on met dans la tête des gens, même si c'est de façon très, très euh, modeste, euh, le fait qu'il va y avoir 200 dollars dans leur poche, bien, on les engage déjà sur une voie sur une ligne de qui passée. mène presque directement tout droit à finalement euh, répondre qu'on euh, paie trop d'impôts. Donc, euh, c'est ça, l'idée, c'est à partir du moment où vous voulez une conclusion, bien, dites-moi quelle conclusion vous voulez et je trouverai les questions <laughs> question... de sondage oh! qui vont euh, finalement produire euh, ce, ce, ce résultat-là. Le... Donc, il faut prendre ce genre de sondage-là avec un grain de sel. Et il n'y a pas de paradoxe, finalement, entre, pour les Québécois entre payer moins d'impôts ou avoir plus de services. Ça dépend de quelles questions vous leur posez. David Robichaud, qui nous a dit bien candidement qu'on se faisait tous manipuler. Ça a été un plaisir de passer une partie de notre samedi matin en votre compagnie, mon cher.